مرحبا بكم في صفحة 95. دونك جو مونترين سوليني شاك كومبليمون اي انديك سا فونكسيون سي او دي او سي او اي تاسترو لا شاك كومبليمون اي اون انديك سا فونكسيون سي او دي او سي او اي تون بير فيتورا سي 40 ans. دونك تون بير فيتورا كوا دونك فيتورا سي 40 ans. Donc C40 ans, c'est le COD, et j'écris COD. Tu allumes l'ordinateur. Tu allumes quoi? Je pose la question, tu allumes quoi? Donc tu allumes l'ordinateur. L'ordinateur, c'est COD, et j'écris COD. Tu te souviens de son parfum préféré? Alors, tu te souviens de quoi? Tu te souviens de son parfum préféré? C'est le COI. Complément d'objet indirect. Tu penses à la surprise, tu penses à quoi? Donc tu penses à la surprise, c'est COI. Complément d'objet indirect. Je cherche un site commercial. Donc je cherche quoi? Je cherche un site commercial, c'est le COD. Ta maman paie le livreur. Ta maman paie qui? Donc P, le livreur, c'est le COD, complément d'objet indirect. Souligne les COI ou bien complément d'objet indirect et entoure les prépositions. Regardez là les compléments d'objet indirect, on doit là les prépositions. Tu rêves de ce smartphone. Tu rêves de quoi? De ce smartphone, c'est le COI. Et j'entoure la préposition de. Donc, il obéit à ses parents. Il obéit à qui? À ses parents. C'est le COI. À. C'est une proposition. Préposition. Il offrira un nouveau téléphone à sa sœur. Il offrira quoi? Un nouveau téléphone. C'est le COD. COD. Un nouveau téléphone à sa sœur, à qui? À sa sœur, c'est le COI, complément d'objet indirect, et j'entoure la préposition. Vous demandez des explications à ce vendeur. Vous demandez quoi? Des explications, c'est le COD. Le COD à ce vendeur, à qui? À ce vendeur, c'est le COI, bien le complément d'objet indirect. Et j'entoure A. Tu as téléphoné à ton papa. Tu as téléphoné à qui? À ton papa. C'est le COI. Complément d'objet indirect. J'entoure la préposition A. Troisième question. Complète avec un COD de ton choix. Et d'ailleurs, COD من الاختيار ديالنا. Tu consultes. Tu consultes ton père. Ton père, c'est COD. On a reçu une lettre. Donc, on a reçu une lettre. Une lettre, c'est le COD. Vous envoyez un email. Donc, vous envoyez quoi? Un email, c'est le COD. Elle appelle sa grand-mère. Elle appelle sa grand-mère, c'est le COD. Nous prenons nos cartables. Donc, nos cartables, c'est le COD. Donc, je m'évalue, recopie le COI de chaque phrase. Complément d'objet indirect, yakoul la jumla. Ce téléphone appartient à ta mère. Donc, ce téléphone appartient à qui? À ta mère, c'est le COI. Elle te parle de ses données. Il te parle de ces données. Il te parle de quoi? De ces données, c'est le COI. La personne interviewée répond à la question du premier journaliste. Donc la personne interviewée répond à quoi? À la question du premier journaliste, c'est le COI. Complète les phrases avec la préposition qui convient. À ou de.
des radicaux de les phrases, les propositions à ou la de. Donc les postes de télévision anciens diffèrent de ceux d'aujourd'hui. Vous rêvez كتحلم انك تربح une télévision à écran plat. Donc de gagner. Vous rêvez de gagner une télévision à écran plat. Ces CD-ROM appartiennent à ton frère. Donc ces CD-ROM appartiennent à qui? À ton frère. Vous vous occupez de la recherche. De la recherche. Nous nous adressons à des internautes. Nous nous adressons à des internautes. Complète les phrases avec lui ou leur. Il y a une chose qui est lui, ou leur, jamais. Parlez-vous beaucoup aux enfants? Aux enfants, leur. Donc oui, nous leur parlons beaucoup. Prêteras-tu ton téléphone à ta sœur? Oui, je lui. À ta sœur, lui. Oui, je lui prêterai mon téléphone. À ta sœur, Mofrad. Cette entreprise a-t-elle répondu à ses clients? Cette entreprise a-t-elle répondu à ses clients? Oui, cette entreprise leur a répondu. Leur a répondu. Iden intaha.